avec Monsieur Luc Brisson, spécialiste néoplatonisme, donc Porphyre, Platon. Il est traducteur de Porphyre de Platon. Il a organisé la traduction des Énéades de Platon pour les éditions Flammarion. Et il a participé aussi des traductions de plusieurs textes de Porphyre, notamment la de Gapom et la présence dans l'Odyssée. Et aussi sur la, il a participé aussi de l'équipe qui a traduit la vie de Platon de Porphyre. Et donc, il est avec nous aujourd'hui pour parler à propos de l'influence de Pythagore et Platon dans le néoplatonisme et l'assimilation des doctrines socialiennes et aristotéliciennes dans le néoplatonisme. Donc, bonjour, Monsieur Brisson, nous sommes très honorés de vous avoir ici avec nous aujourd'hui, pour la dernière fois, pour la deuxième fois, pardon. Et donc, je passe la parole. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, la première fois, j'ai parlé de Platon. Donc, Platon a vécu de 428 à 348 avant notre ère. Et en 387, il avait fondé ce qu'on appelle l'Académie, l'ancienne Académie, qui va survivre à Platon, donc de 348 à 268. Donc l'ancienne Académie avait pour but de défendre Platon contre les objections d'Aristote et de développer sa doctrine. À partir de 238, à partir de 268, apparaît une nouvelle tendance dans l'Académie. Cette tendance est qualifiée par les spécialistes de nouvelle académie et va durer de 268 à 68 avant notre ère. Donc, pendant 2 siècles, l'académie défend Platon contre les stoïciens qui sont dominants à l'époque. À partir du début de notre ère, se développe une nouvelle interprétation très différente de celle de la Nouvelle Académie, qui est qualifiée, encore une fois, par les spécialistes de moyen platonisme. Cette interprétation va subsister du 1er au 3e siècle de notre ère. Et c'est dans ce contexte que vont apparaître Plotin, qui a vécu de 204 à 270, et Porphyre, qui a vécu de 234 à une date qu'on doit situer après 202, après 301 de notre ère. Donc d'abord Platon. Platon est un Romain, mais qui naît en Égypte, à Lycopolis. Maintenant, cette ville a pour nom Assiout, et il y a à Assiout un barrage sur le Nil. Donc, Platon naît en 204 en 204 de notre ère, en Égypte, mais c'est un citoyen romain. Et donc, à partir de 232, Plotin va faire des études de philosophie à Alexandrie, toujours en Égypte, auprès d'un certain Ammonius, qu'on n'arrive pas vraiment à décrire comme professeur de philosophie et comme philosophe. Ça devait être un platonicien inspiré par la tradition pythagoricienne. Donc, le fait que Platon soit un Romain
est évident dans la mesure où, à partir de 243, il va accompagner l'empereur Galien qui va guerroyer au Moyen-Orient. Et donc, cela montre que Plotin était vraiment un Romain d'une grande famille et qui pouvait se retrouver dans la cour de l'empereur. L'empereur est tué en 244 et Plotin s'enfuit et arrive à Rome en 244. Et à partir de 246, Plotin, qui s'est installé dans la maison d'une riche veuve de la noblesse, va commencer à donner des cours, et pour des cours privés pour des gens de la très haute société, de la très haute société romaine. Et donc, il va continuer à donner ses cours jusqu'en 269. Malade, il se retire en Campanie, dans le sud de l'Italie, et il va mourir en 270. Entre-temps, Plotin avait été, Porphyre avait été son disciple de 268, de 263 à 268. Donc, Plotin, voilà la biographie de Plotin. Sa doctrine maintenant. Plotin est un platonicien, mais comme on le verra, c'est un platonicien qui est fortement inspiré par le stoïcisme, le stoïcisme qui est la philosophie la plus répandue à l'époque dans le monde romain. Donc, Plotin, en tant que platonicien, met au point de départ de sa philosophie l'intellect qui comprend l'intelligible. C'est-à-dire que pour Plotin, et ça c'est aussi un élément stoïcien, pour Plotin, les formes intelligibles sont en quelque sorte animées d'une vie qui est celle de l'intellect. Mais donc, pour Plotin, cet intellect qui comprend les intelligibles n'est pas assez unifié. Plotin va mettre au-delà de l'intellect et de l'intelligible ce qu'on appelle l'un bien. L'un bien est au-delà de l'être, il est au-delà de la pensée et il est au-delà de la vie. Donc, ce que je vais essayer de décrire maintenant, ce sont les deux mouvements que l'on peut rattacher à l'un bien. Donc, l'un bien va produire l'ensemble de la réalité, y compris la matière. Et c'est ce qu'on appelle le mouvement de procession. Il y aura un second mouvement qui est le mouvement de conversion par laquelle l'âme humaine va remonter vers l'intellect intelligible et l'intellect intelligible va fusionner avec l'un bien. C'est ce que traditionnellement on appelle le mysticisme, l'union mystique. Mais j'ai écrit là-dessus. Et je pense que cette idée d'union mystique est très différente de celle que l'on rencontre dans le christianisme. Cette union mystique, c'est effectivement la remontée de l'âme vers son origine, l'un bien, mais par l'intermédiaire de l'intellect intelligible. Donc, on a l'un bien qui se situe au-delà de l'être, de la pensée et de la vie. L'aspect 1 de l'un bien va expliquer la procession.
c'est-à-dire que l'un va produire tout ce qui est multiple. De l'un va venir le multiple. Le premier niveau de cette procession, c'est l'intellect qui comprend toutes les formes intelligibles. Et cet intellect intelligible, donc, est la première émanation de l'un dans le cadre de la procession. L'intellect, donc, qui comprend les intelligibles et qui est doté d'une certaine vie, va produire l'âme. L'âme en tant que telle, comprend ce qu'on appelle les logoi, c'est-à-dire les raisons. Et donc ces logoi, ce sont les formes qui se trouvent dans l'intellect, mais sous le mode de l'âme. Dans l'intellect, les formes, comme chez Platon, sont immuables et sont données tout ensemble. Alors que dans l'âme, ces formes suivent le mouvement de la pensée et de la parole, et ces logoi, donc, suivent le mouvement de la pensée et de la parole, et par voie de conséquence, sont associés à un certain mouvement. Et donc, ces logoi sont séparés les uns des autres, pour permettre justement la pensée, la parole et, comme on le verra, la fabrication des corps sensibles. Donc, je le répète, Platon se définit par ces trois hypostases, ces trois niveaux de réalité, l'un bien, l'intellect intelligible et l'âme qui comprend les raisons. Et comme vous pouvez le voir, l'âme qui comprend les raisons reste associée à un concept stoïcien qui sont les logoi spermaticoi. Pour les stoïciens, le logos, qui est le dieu et qui est un pneuma, va produire toute chose par l'intermédiaire des logoi spermaticoi, spermaticoi, voulant dire qui produit les choses sensibles. Donc, l'un bien, l'intellect et l'âme. L'âme va elle-même produire d'abord la matière, qui est l'extrême limite de l'intelligible. Et dans cette matière, l'âme va insérer les logoi sous deux formes. Donc, dans la matière, l'âme du monde va introduire d'abord la grandeur, puis va associer à cette grandeur les qualités qui sont l'une et les autres des logoi. Donc, on a d'abord l'un bien dont émane l'intellect intelligible qui produit l'âme, laquelle produit la matière et va insérer dans la matière ces logoi que sont la grandeur et les qualités. Donc, on s'aperçoit que chez Platon, la participation qui reste un problème très important chez Platon va être réglée justement par l'intermédiaire de cette notion que sont les logoi. Donc, l'un bien, de l'un bien
vient à la fois l'intellect, l'âme, la matière et les corps. Donc, j'ai parlé de l'âme. Mais là, donc l'âme, chez, en tant qu'hypostase chez Plotin, et cette réalité qui comprend toutes les autres, qui comprend les autres espèces d'âme associées à un corps. Donc, dans l'âme hypostase, on retrouve l'âme du monde, dont j'ai dit que venait la matière. On retrouve l'âme des dieux, des démons, des êtres humains qui eux-mêmes peuvent se réincarner dans les animaux. Et donc, comme chez Platon, l'âme vient de l'extérieur habiter un corps. Et cette âme humaine qui vient habiter un corps va, après la dissolution du corps, aller dans l'Hadès, puis remonter pour s'incarner dans un nouveau corps qui, la forme qui correspond à la qualité de la vie antérieure de cette âme. Donc, ça a l'air un peu compliqué, mais donc je me répète parce que c'est important. Platon développe un platonisme inspiré du stoïcisme. Ce platonisme comprend trois hypostases qui sont l'un bien, l'intellect qui comprend les formes intelligibles et l'âme qui comprend les raisons. Et l'âme du monde va produire la matière et dans la matière va mettre la grandeur et les qualités pour former les corps. Comme je l'ai dit, ces corps humains, les corps humains sont mis en mouvement par une âme qui est le principe de tous les mouvements, aussi bien physique que psychique. Et cette âme humaine va dans le second mouvement, je viens de décrire le mouvement de procession, c'est-à-dire comment de l'un bien vient l'intellect, l'âme, la matière et les corps. Dans un mouvement de conversion, l'âme qui se trouve dans un corps va essayer de remonter vers son origine, c'est-à-dire vers l'un bien. Et donc, la procession, c'est la descente de l'un vers la multiplicité, et la conversion, c'est la remontée d'une âme humaine vers son origine, c'est-à-dire le bien. Comment cette âme va-t-elle arriver à remonter vers son origine? Lorsqu'elle est incarnée dans un corps, l'âme humaine doit pratiquer les vertus. Et encore une fois, c'est très intéressant parce que la doctrine des vertus chez Plotin est une doctrine qui tient compte des doctrines des vertus chez Aristote, chez les stoïciens et chez Platon. D'abord, l'âme humaine, l'âme qui est incarnée dans un corps humain, doit pratiquer les vertus civiques ou politiques. Ces vertus, ce sont celles qui vont permettre à une personne de vivre en bon accord avec les autres personnes qu'il côtoie. Donc, ces vertus civiques, bon, ce sont des vertus habituelles, la justice, la compassion, la bonté, etc., etc. Donc, ce sont des vertus qui permettent d'avoir une vie en commun, apaisée et apaisée et agréable.
ces vertus civiques, ce sont des vertus qui sont décrites par Aristote dans ses éthiques. Bon, l'amitié, comme je l'ai dit, la justice, etc., etc. Au-delà de ces vertus civiques, l'âme humaine doit pratiquer des vertus que Platon appelle purificatrices. En grec, c'est katharticoi. Ces vertus purificatrices permettent à l'âme de vivre dans un corps humain en acceptant d'agir sur ce corps, mais en restant détaché de cette action qui permet au corps de survivre. En d'autres termes, comme l'enseignent les stoïciens, l'être humain doit se nourrir, par exemple, mais les vertus purificatrices lui permettent de se détacher de la nourriture et de ne se nourrir que pour survivre sans passer tout son temps à rechercher des mets en quantité et en qualité. Il en va de même, et c'est aussi intéressant, pour la survie de l'espèce. Donc, il est évident qu'un être humain doit se reproduire, mais une fois de plus, les vertus purificatrices permettent de se détacher de l'acte sexuel sans toujours rechercher, encore une fois, le plus grand nombre de couples homosexuels ou les accouplements les plus surprenants ou extraordinaires. Donc, l'âme qui est dans un corps doit pratiquer les vertus civiques pour vivre en bonne harmonie avec ses concitoyens. Les vertus purificatrices, elle doit exercer toutes les fonctions d'un être humain, mais sans s'attacher à ses fonctions, dans un détachement qui lui permet de ne pas s'enfoncer dans les questions de nourriture ou de sexualité, tout en étant actif dans ces domaines. Ça, donc, comme je l'ai dit, les vertus purificatrices sont inspirées des stoïciens. Ensuite, on passe aux vertus contemplatives. Donc, cette âme qui pratique les vertus civiques, inspirées d'Aristote, les vertus purificatrices inspirées des stoïciens, doit parvenir aux vertus contemplatives, c'est-à-dire l'âme doit s'adonner à l'éducation qui lui permet de contempler les formes intelligibles qui sont dans l'intellect. Donc, ces vertus contemplatives, ce sont des vertus qui sont inspirées par Platon. C'est exactement la question platonicienne, c'est-à-dire nous vivons dans un monde d'images et il faut que l'âme remonte de ces images vers les réalités dont les images participent. Et ces vertus contemplatives donc sont celles que préconisait Platon, mais dans le contexte du système platinien, ces vertus contemplatives doivent s'appuyer sur les logoi qui eux-mêmes ne sont que les formes dans un aspect particulier qui est celui des formes dans l'âme de l'être humain. Donc ce sont des formes comme je l'ai dit tout à l'heure, sont séparées les unes des autres et sont animées d'un certain mouvement, celui de la parole et de la pensée. Au-delà des vertus contemplatives,
Plotin parle de vertu paradigmatique. Ça vient de paradigma en grec, qui veut dire modèle. Et en d'autres termes, c'est très intéressant chez Plotin, il ne peut pas y avoir de vertu paradigmatique pour Plotin, dans la mesure où les vertus, ce sont des activités de l'âme, et que donc les vertus paradigmatiques, elles prennent en compte non seulement les logoi, mais aussi les eidés, les formes. Et chez Plotin, dans le traité sur les vertus, le traité 1-2, l'Anéade 1-2, le traité 19, on a un noyon qui veut dire et qui signifie que Plotin évoque ces vertus en considérant que ce ne sont pas des vertus de l'âme, que ce sont des vertus qui se trouvent au-delà de l'âme. Mais c'est très intéressant, comme on le verra chez Porphyre, c'est très intéressant dans la mesure où ça permet à Plotin de rendre compte du retour de l'âme vers son origine, c'est-à-dire vers le bien. En effet, l'idée fondamentale de ce qu'on appelle le mysticisme plotinien, mysticisme c'est un terme que je n'aime pas parce que c'est un terme qui est associé aux différentes religions monothéismes qui sont très différentes du modèle religieux plotinien. Qu'est-ce qu'il faut entendre par ce retour de l'âme à son origine? Il faut entendre ceci. C'est-à-dire que l'âme qui pratique les vertus civiques, les vertus purificatrices, les vertus contemplatives, a un point très élevé qui lui permet de s'unir à l'intellect intelligible, qui possède les formes intelligibles. Donc, la qualité de la pratique des vertus civiques, purificatrices et contemplative est telle que l'âme réussit à s'unir à l'intellect. Et l'intellect lui-même va fusionner avec l'un bien. Et donc, c'est ce qui correspond au retour de l'âme vers son origine par l'intermédiaire de l'intellect. Et donc, je vais terminer Plotin là-dessus, mais vous allez voir que c'est une question fondamentale pour les platoniciens qui vont suivre Plotin. Comment cela est-il possible suivant Plotin? Ce qui caractérise Plotin, et on le voit plus ou moins chez Porphyre, ce qui caractérise Plotin, c'est que l'âme humaine et une partie de l'âme humaine reste dans l'intelligible. Ça signifie ceci, et vous verrez la différence avec Porphyre, ça signifie ceci, c'est-à-dire que l'être humain, par son âme, a les moyens de remonter vers l'intelligible par elle-même, et non par l'intermédiaire de rites et ou d'incantations ou sacrements. Donc, pour Plotin, l'âme humaine, une partie de l'âme humaine reste accrochée à l'intelligible et a le pouvoir de remonter vers cet intelligible par elle-même, sans avoir besoin de rites ou de cérémonies. C'est ce qu'on appelle le rationalisme de Plotin. Et c'est la raison pour laquelle je vous disais que ce qu'on appelle mysticisme chez Plotin est très différent de ce qu'on appelle mysticisme dans les religions monothéistes, où effectivement il faut abandonner son identité et abandonner sa raison pour s'unir au Dieu unique. Ce n'est pas le cas chez Plotin. Donc maintenant, j'espère que
cette présentation qui n'est pas évidente dans la mesure où elle est faite dans le cadre, dans un temps vraiment très, très limité. Cette présentation de Plotin doit être considérée comme le point de départ de ce que l'on a appelé le néoplatonisme, mais c'est un platonisme très différent de tout ce que on comprend jusqu'ici. Dans la mesure justement où Plotin se caractérise, comme celui qui estime que l'âme humaine, une partie de l'âme humaine reste dans l'intelligible. Donc, je reprends, donc Platon 428-348 avant notre ère, et Plotin 204-270. Donc, vous voyez que ça fait plus d'un demi-siècle, d'un demi-millénaire entre Platon et Plotin. Et cela explique à quel point donc Plotin, qui se réclame de Platon, propose en fait un platonisme très différent de ce que l'on trouve chez Plotin, et notamment un platonisme qui est inspiré par les stoïciens. Et on pourrait caractériser Plotin comme un platonicien stoïcisant. C'est un peu bizarre, mais ça fonctionne très bien. En d'autres termes, Plotin réinterprète le stoïcisme à partir de Platon. Porphyre, maintenant. Porphyre, Porphyre est un citoyen romain qui est né à Tyr, au Liban actuellement. À l'époque, c'était la province de Syrie. Et donc, le nom de Porphyre était Malkos, en araméen. C'est un araméen, la langue que parlait le Christ. Donc, Porphyre naît en 234 à Tyr, au Liban. Alors, pourquoi, d'où vient ce nom Porphyre? Ce nom vient justement de l'hellénisation de ces peuples araméens. Donc, Malkos, en araméen, ça veut dire le roi. Donc, l'assistant de Plotin, pardon, Amilius, va traduire ce nom, Malkos, en grec. Et ça va donner Basileus, Basile. Donc, Porphyre, dont le nom est Malkos, est appelé Basile par Amilius, le plus ancien disciple de Platon, et son assistant. Mais donc on ne sait pas qui exactement, mais Plotin va préférer Porphyre. Porphyre en grec, c'est Porphyros. Pourquoi Porphyros, c'est Porphyros? Pourquoi appelle-t-on Malkos Porphyre? Tout simplement parce que Porphyre, c'est le nom du coquillage qui donne cette teinte rouge qui caractérisait le vêtement de l'empereur. Donc, on retrouve cette liste, donc Malkos le roi, Basileus le roi en grec, et Porphyros, c'est-à-dire la couleur rouge qui caractérise l'empereur. Donc, vous avez toute cette lignée qui va donc de Malkos à Porphyre. Et c'est intéressant de remarquer qu'un peu comme dans les communautés religieuses, dans les écoles philosophiques, on donnait des surnoms
aux disciples. Et donc, il n'est pas du tout surprenant que Malchos ait été appelé Basile par Amélius, l'assistant de Plotin, et Porphyre par Plotin. Donc, c'était quelque chose de tout à fait normal dans les écoles philosophiques à l'époque. Bon, donc Porphyre naît à Tyr, en Syrie, dans la province de Syrie romaine, et à Tyr, qui est maintenant le Liban. Et donc, à un certain moment, avant de rencontrer Plotin, Porphyre va à Athènes suivre les cours de Longin, qui enseigne à Athènes la rhétorique et la philosophie. Longin donc est un personnage très important dans la mesure où il va devenir le conseiller de la reine Zénobie et va être exécuté par l'empereur parce que Zénobie a voulu se séparer de l'Empire romain. Mais là, c'est à une époque bien antérieure à cette aventure de Longin auprès de la reine Zénobie. Donc Porphyre naît en 234 et va étudier à Athènes dans l'école de Longin qui enseigne la rhétorique et qui enseigne la philosophie. Longin est un médio-platonicien qui, comme on le verra plus loin, n'accepte pas l'idée de l'un bien au-delà de l'intellect intelligible. Et donc, on verra que ça va être un des premiers problèmes que va rencontrer Porphyre, lorsqu'il viendra auprès de Plotin en 263. En 263, Porphyre vient à Rome pour se mettre à l'écoute de Plotin. Donc en 263, Porphyre vient auprès de Plotin à Rome pour suivre ses cours. Et donc il ne va pas rester très très longtemps, donc il ne restera que jusqu'en 268. Donc, lorsqu'il arrive en 263, immédiatement, il y a une polémique entre Porphyre, qui reprend les idées de son maître Longin, et qui refuse l'idée que les intelligibles se situent dans l'intellect, lequel intellect est inférieur à l'un. Donc, il va y avoir une polémique qui va durer un certain temps et faire intervenir non seulement Plotinus, et donc il y aura un échange de correspondance et de discussion dans le cadre de l'école. Et Porphyre acceptera cette vision de l'intellect intelligible. Donc Porphyre arrive en 263, en ce qui concerne les relations de l'intellect avec l'intelligible, et par la suite, Porphyre se met à l'écoute de Plotin jusqu'en 268. En 268, Porphyre fait une dépression très importante, et Plotin lui demande de quitter l'école et d'aller en Sicile. On ne sait pas vraiment pourquoi Porphyre a dû quitter Plotin,
Dans la vie de Platon par Porphyre, on ne parle que de mélancolie, mais on peut penser qu'il y a des raisons plus pratiques et plus évidentes. Ces raisons pourraient être de deux ordres. D'une part, l'empereur Galien, qui protégeait l'école, est assassiné à ce moment-là, et donc ça fait perdre à l'école toute sa sa force de rayonnement. Et il y a aussi le fait que Porphyre, comme on le verra, est connu pour ses commentaires, les œuvres d'Aristote. Or, dans les traités 42, 43 et 44, Plotin se montre très réservé en ce qui concerne la doctrine des catégories d'Aristote. Donc, Porphyre quitte Plotin parce qu'il fait une dépression nerveuse, c'est la mélancolie, mais aussi peut-être parce qu'il n'y a plus la protection de l'empereur et parce qu'il n'est pas d'accord avec Plotin sur la qualité de la doctrine des catégories d'Aristote. Donc, Plotin part en 268 et va s'établir dans un premier moment en Sicile. Il reviendra à Rome et voyagera beaucoup. Vers la fin de sa vie, Porphyre va épouser une veuve, Marcella, qui a cinq filles et deux garçons. Et qu'il va quitter 10 mois après l'avoir épousé. Et c'est ce qu'on peut lire dans la lettre à Marcella, une lettre qui est une exhortation à la vie philosophique, dont on parlera plus tard si j'en ai le temps. Donc, Porphyre quitte Plotin en 268, et ce qui est très intéressant, c'est que c'est Porphyre qui va éditer les Énéades. Il va les éditer en 301, alors qu'il a 68 ans. Et donc, qu'est-ce que va faire Porphyre ? Eh bien, Porphyre prétend avoir découvert des traités de Plotin. Ces traités, dit-il, sont au nombre de 54, mais en fait, on s'aperçoit quand on traduit les traités que Porphyre a coupé pour arriver à ce nombre de 54. Donc, pour arriver à ce nombre de 54. Donc, dans la vie de Plotin, Porphyre nous donne une liste chronologique de ses traités. Mais cette liste ne lui convient pas, donc il va regrouper les traités en fonction de leur thème. Et donc, il va regrouper ses traités. Il va regrouper ses traités en énéades, c'est-à-dire en groupes de 9 traités qui vont correspondre à des thèmes bien particuliers. Donc, on va avoir 6 énéades, 6 groupes de 9, qui vont être regroupés en 3 volumes, en 3 codex. Le premier qui regroupe les traités qui parlent de la physique et de l'éthique. Les premiers livres, donc, premier codex. Deuxième codex, les traités qui parlent de l'intellect
et de l'âme. Et troisième traité, troisième codex sur l'un. Donc, on a premier codex, les traités qui traitent de l'âme, qui traitent de la nature et des vertus. Deuxième codex, deuxième bouquin qui traite de l'âme et de l'intellect. Et troisième qui traite de l'un. Donc, ce qu'on appelle les Énéades, c'est une production de Porphyre qui est déjà une systématisation des œuvres, des traités de Platon. Parce que, comme j'ai oublié de le dire, dans son école, Platon s'adressait à des gens qui n'étaient pas forcément des philosophes, c'est-à-dire des gens de la très haute société romaine. Et Platon improvisait chacun de ses cours et donc traitait de sujets qui étaient soulevés par son auditoire. Donc, cette espèce de fouillis intellectuel qui représentait l'œuvre de Platon, c'est-à-dire son enseignement au jour le jour, est systématisé par Porphyre, et donc est systématisé par Porphyre. Donc les Énéades, c'est une systématisation des traités platiniens en fonction justement de cette idée. Donc les corps vivants, l'âme et l'intellect et l'homme. Donc on retrouve cette idée des hypostases dans les Énéades. Donc ça, c'est la première chose. Donc les Énéades, c'est une systématisation des traités platiniens que Porphyre avait trouvé dans leur ordre chronologique. Donc à cette systématisation, Porphyre ajoute la vie de Platon. Et donc la vie de Platon, c'est la vie de Platon est le système de ses œuvres. C'est en gros l'introduction aux Énéades. Et donc cette vie de Platon, c'est là qu'on trouve la plupart des informations concernant Platon et Porphyre. Donc en 300, c'est-à-dire Platon est mort en 270, plus de 30 ans après la mort de Platon, Porphyre édite, c'est-à-dire met à la disposition des platoniciens, les œuvres de Porphyre, intitulées les Énéades. Donc vous l'avez vu, 6 fois 9, Énéas en grec, ça veut dire 9, 6 fois 9, et donc les Énéades de Platon, aux Énéades de Platon, Porphyre donne comme introduction la vie de Platon, où on trouve la plupart des informations concernant Platon, Porphyre et Longchamp. Platon, Porphyre et Longchamp. Ça, c'est ce qu'on peut considérer comme l'ouvrage le travail le plus important de Porphyre, c'est-à-dire l'édition des Énéades, auquel il donne comme introduction la vie de Platon. Par ailleurs, Porphyre aura qui n'aura aucun disciple connu, a produit une œuvre considérable. Cette œuvre comprend des commentaires à Platon et à Aristote. Elle comprend aussi un ouvrage immense et vraiment très intéressant qui est le De Abstinentia, c'est-à-dire c'est un traité qui comprend 4 tomes et qui tire les conséquences
de la doctrine de réincarnation platonicienne, c'est-à-dire que les animaux, les êtres pourvus d'une âme, sont en fait des êtres humains dégénérés jusqu'à un certain point, mais qui peuvent remonter vers l'humanité. Et la conséquence est évidente, c'est-à-dire que si un animal est un être humain, on ne peut pas le tuer et le manger, ça serait carrément du cannibalisme. Et donc, dans cet ouvrage de Porphyre, qu'on a nommé le De Abstinentia, on trouve justement les doctrines antiques en vertu desquelles il faut pratiquer le végétarisme. Et encore une fois, si vous en avez l'occasion, je vous engage à lire cet ouvrage qui est vraiment très intéressant. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi les écologistes actuellement n'y font pas référence. Donc, commentaire d'œuvre d'Aristote et de dialogue de Platon et d'ouvrage d'Aristote, un ouvrage considérable sur le végétarisme, des ouvrages concernant l'interprétation allégorique d'Homère et, oui, et des différents mythes grecs. Encore une fois, là aussi, c'est très intéressant, dans la mesure où Pythagore et Porphyre, pardon, est influencé par Pythagore et considère que le langage présente toujours un double sens et que ce que les poètes ont dit peut être interprété dans un sens philosophique. Par ailleurs, Porphyre est surtout connu, et ça lui a coûté très cher, par un ouvrage contre les chrétiens, considéré comme l'ouvrage le plus important, l'ouvrage de polémique le plus important contre les chrétiens. Il n'en reste que des bribes, dans la mesure où les chrétiens ont détruit cette œuvre et ont détruit une bonne partie des œuvres de Porphyre, précisément parce qu'il était opposé au christianisme. Cela dit, il faut bien se rendre compte que les chrétiens que connaissait Porphyre, ce n'étaient pas les chrétiens des pères de l'Église. C'était des chrétiens, très souvent des gnostiques, et des chrétiens qui cherchaient une doctrine. Et donc, cet ouvrage contre les chrétiens a eu une influence considérable dans l'Antiquité, et donc explique jusqu'à un certain point pourquoi il ne reste tellement peu de choses de Porphyre. Enfin, il y a un ouvrage intitulé « Sur la manière dont l'âme vient à l'embryon » qui explique comment l'âme humaine quitte l'âme hypostase pour descendre dans un corps. Et donc on retrouve cette idée dans ce traité qui est vraiment aussi très intéressant et qui n'est pas si ridicule, même d'un point de vue médical. Enfin, je vais terminer là-dessus. Quand il publie les Énéades, Porphyre fait des commentaires, fait des introductions et explique un certain nombre de points de doctrine. Et j'ai l'impression que ces points de doctrine se retrouvent dans ce qu'on appelle les sentences de Porphyre et qui nous donnent une idée générale de la doctrine de Porphyre. Notre équipe au CNRS a fait un travail considérable en deux tomes sur l'édition, la traduction et le commentaire de ces sentences, qui en fait sont un titre tout à fait qui a été donné au Moyen-Âge,
le titre que Porphyre semble avoir donné à cet ouvrage, c'est « Point de départ pour les intelligibles ». Donc, si on regarde ces ces sentences, on s'aperçoit que Porphyre accepte jusqu'à un certain point la structure de la pensée platinienne, la pensée de Platon. En ce qui concerne le bien, on retrouve cette idée de procession et de conversion. Cela dit, un certain nombre de spécialistes ont voulu, voir dans la doctrine de l'un bien une façon de considérer l'un bien comme beaucoup moins détaché de l'intelligible que chez Platon. Pour l'intellect intelligible, j'ai parlé de cette polémique entre Porphyre, Amélius et Platon sur la situation de l'intelligible par rapport à l'intellect. Est-ce que l'intelligible se trouve dans l'intellect ou est-ce que l'intelligible se trouve à l'extérieur de l'intellect? Il semble que qu'il soit très difficile de voir ce qu'il en est exactement. Mais je pense, et la plupart des gens pensent, que Porphyre s'était rangé du côté de Platon et considérait que l'intelligible se situait dans l'intellect, des formes ayant une vie intellectuelle. En ce qui concerne l'âme et les raisons, il semble aussi, mais ce n'est pas totalement évident, et je pense que Porphyre était en train de douter de la doctrine platinienne suivant laquelle une partie de l'âme restait dans l'intelligible et suivant laquelle l'âme pouvait, par ses propres forces, remonter vers l'intelligible qui lui-même fusionnait avec l'un. Dans la vie de Platon, Porphyre nous dit que Platon s'était uni avec l'un quatre ou cinq fois pendant qu'il était là, entre 263 et 268, et que lui, Porphyre, à l'âge qu'il avait, c'est-à-dire 68 ans, ne s'y était uni qu'une seule fois. Donc, on a vraiment l'impression que Porphyre admettait cette idée suivant laquelle l'âme humaine, une partie de l'âme humaine, restait dans l'intelligible. Cela dit, si on lit les fragments du retour de l'âme vers l'un, que l'on trouve, qui sont cités par Augustin, bon, Augustin ne pouvait être que une critique à l'égard de Porphyre, on s'aperçoit qu'il est tout à fait possible que chez Porphyre, le philosophe puisse remonter vers son origine par lui-même, par la force de sa pensée, alors que pour les gens ordinaires, il fallait passer par la théurgie, c'est-à-dire par une série de rites et de cérémonies qui permettent de remonter vers l'un. Et donc, ça, c'est vraiment très important, puisque une connaissance de Porphyre, on ne peut pas dire son disciple, puisqu'on ne sait pas, Chamblic, va lui couper tout lien entre l'âme et l'intelligible. Et donc, de façon tout à fait normale, Chamblic va estimer que pour remonter vers son origine, l'âme humaine a besoin de rites et de cérémonies. Et là, c'est toute la question des oracles chaldaïques et de la théurgie. La théurgie étant, suivant l'étymologie grecque,
Théos, Dieu, et Ergon, activité. Donc, c'est les rites, Ergon, les ergas, qui permettent de remonter vers le Dieu, Théos. Donc, en ce qui concerne la doctrine, on a vraiment l'impression que Porphyre est en accord, en harmonie, largement avec Platon. Mais il faut faire deux remarques. La première remarque, c'est que Porphyre, donc jusqu'à un certain point, est fortement influencé par l'introduction de la théurgie, c'est-à-dire des rites et des cérémonies qui permettent de remonter à l'âme, qui permettent à l'âme de remonter vers son origine. Beaucoup plus. Donc, et la deuxième chose, et c'est un élément très important, Porphyre se distingue de Platon comme commentateur d'Aristote et comme commentateur des catégories d'Aristote. Et c'est la raison pour laquelle il sera connu dans le monde au Moyen-Âge, le Moyen-Âge grec, le Moyen-Âge arabe et le Moyen-Âge latin. Les agoguets et le commentaire aux catégories vont donner de Porphyre l'image d'un commentateur aristotélicien. Et ça, c'est vraiment très important dans la mesure où, dans les traités 4-3, 4-4 et 4-5, c'est-à-dire 42, 43 et 44, Platon s'attaque violemment aux catégories d'Aristote. Donc, ce sont donc les points de doctrine qui peuvent expliquer une certaine distinction entre Porphyre et Platon. Je voudrais terminer sur deux choses. D'une part, le rapport entre entre Porphyre et Pythagore. Et l'opposition au christianisme. Porphyre a écrit une vie de Pythagore qui est vraiment très intéressante et qui est distincte de la vie de Chamblic. Je n'ai pas le temps de vous parler de la vie de Chamblic. Mais Porphyre situe Pythagore dans une histoire de la philosophie dont on a des fragments édités par Alain Segond Belles Lettres. Cette histoire de la philosophie chez Porphyre, comprenait quatre chapitres. Un chapitre sur Pythagore, c'est la vie de Pythagore. Un chapitre sur Empédocle, qui est considéré dans la vie de Pythagore comme un disciple d'Empédocle. Un chapitre sur Socrate, qui est considéré comme un disciple aussi de Pythagore. Et enfin, un chapitre sur Platon. Platon, qui a eu pour maître Socrate, lequel était un pythagoricien, ce qui signifie que Platon était un pythagoricien. Donc, on retrouve chez Porphyre cette idée que Platon doit être interprété comme un pythagoricien, comme quelqu'un qui pythagorise. Et donc, c'est la raison pour laquelle les formes sont associées au nombre. C'est la raison pour laquelle l'immortalité de l'âme prend une telle ampleur. C'est la raison pour laquelle on parle de réincarnation, de métasomatose, qui implique lui-même le végétarisme. Et c'est la raison aussi pour laquelle Porphyre est tellement intéressé par l'interprétation des mythes et par l'interprétation des allégoriques des poètes. Donc, l'antre des nymphes par Porphyre, qui vient d'être publié chez Vrin, est un très bon exemple de cette interprétation allégorique des poètes. Enfin, et je pense que ça c'est vraiment très important,
c'est l'opposition de Porphyre au christianisme. Porphyre, comme vous l'avez dit, a écrit contre les chrétiens, dont il ne reste que quelques fragments, peu intéressants par ailleurs. Et il y a un certain nombre de travaux qui continuent à être faits sur contre les chrétiens. Encore une fois, je le répète, ce n'est pas le christianisme tel qu'on le connaît auquel s'opposait Porphyre. Donc, au chapitre 16 de la vie de Plotin, Porphyre nous informe que des chrétiens qui étaient des gnostiques venaient au cours de Plotin, et qu'à un moment, il y a eu une rupture, et que Plotin lui-même, dans un traité contre les gnostiques, Amilius et Porphyre avaient écrit justement contre les gnostiques. Donc il est très difficile de savoir contre qui s'élevait Porphyre. Mais on notera que Porphyre vit dans un contexte où l'empereur va se convertir au christianisme et imposer un cadre chrétien à l'Empire. Et c'est la raison pour laquelle cette opposition de Porphyre au christianisme est si importante. En gros, il semble que Porphyre s'opposait au christianisme en estimant que la foi chrétienne est une foi non rationnelle, une foi irrationnelle, alors que dans le platonisme, la foi, et dans les oracles chaldaïques, il existait une foi, mais que cette foi était une foi rationnelle. Cela dit, Porphyre aura quand même une influence importante dans le monde chrétien par l'intermédiaire de Marius Victorinus et par l'intermédiaire d'Augustin. Donc, il n'est pas l'influence de Porphyre s'étend même dans le cadre du christianisme. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère que je n'ai pas été trop obscur, même si tout cela est très difficile. Donc, si vous avez des questions. Donc, c'est sûr? Oui. Donc, je passe par là, au vivre. Si, Laurent, passez bien. Donc, M. Brisson, je vous remercie beaucoup. C'était vraiment une très belle exposition, très claire, je crois, pour tout le monde. Et voilà, si vous permettez, je voudrais commencer avec une question. À la fin, vous avez parlé de l'élection de l'intre de Nymphe, Chevra. Et donc, si vous pouvez, j'aimerais bien que vous parliez un peu sur Porphyre et les mythes. Donc, juste une petite introduction peut-être très rapide. Pourquoi Porphyre a cet intérêt sur les mythes? Donc, vous avez dit qu'il y a une relation avec le pythagorisme, c'est ça, hein? Je ne sais pas si j'ai bien compris. Bon, il y a plusieurs réponses possibles. La première réponse, et encore une fois, c'est l'influence stoïcienne. Pour Platon, les mythes, chez Platon, il y avait une censure des mythes, parce que pour Platon, les poètes exprimaient des idées qui ne correspondaient pas à l'éthique platonicienne. Et donc, c'est la raison pour laquelle Platon critique les mythes dans les livres 2 et 3 de la République, et au début du Phèdre dit qu'on ne peut pas
passer son temps à interpréter des mythes, parce que ça prend beaucoup de temps et que la vérité se trouve dans la philosophie et pas dans les mythes. Aristote parle assez peu des mythes. Mais les stoïciens, eux, ont une position très différente. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Porphyre s'intéresse aux mythes. Les stoïciens veulent montrer que leur doctrine correspond à une correspond à ce que l'on à ce que Monsieur Tout le Monde connaît. Et donc pour les stoïciens, ils traduisent dans leur système stoïcien les poèmes. Les travaux des poètes. Et donc, il y a chez les stoïciens un nombre gigantesque d'interprétations de mythes traditionnels. Et donc, là, ça, c'est une idée que j'ai toujours essayé de défendre dans mes travaux sur les mythes. C'est-à-dire que la philosophie n'est pas autonome. La philosophie s'enracine dans la tradition populaire. Et donc, pour les stoïciens, c'était vraiment très important, et ils passaient beaucoup de temps à traduire dans un système stoïcien les productions des poètes. Par exemple, Dionysos, c'était le vin, Perséphone, et Déméter, c'était le blé, etc., etc. Mais ça, c'est les choses les plus simples. Il y avait aussi une interprétation qui faisait intervenir les vertus. Donc, Athéna, c'était l'intelligence. Héraclès, c'était la technique, etc. Donc, pour les stoïciens, la philosophie s'enracinait dans le savoir populaire qui était exprimé par les mythes. Et je pense que là aussi, Porphyre est influencé par les stoïciens. Et finalement, la dernière raison, c'est justement Pythagore. L'idée fondamentale du pythagorisme, c'était la préservation du secret. Et une des façons de préserver le secret, c'était d'utiliser un langage à double sens. Donc, Porphyre va essayer de montrer que les stoïciens avaient raison d'interpréter les mythes grecs comme ils le faisaient, même d'un point de vue pythagoricien, c'est-à-dire que le langage n'a pas un seul sens, il a au moins deux sens. Et donc, si on est capable de trouver le sens fondamental d'un poème, c'est quelque chose qui, d'un point de vue philosophique, est très important. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, ça répond très bien à ma question. Et donc, mais ça me fait penser aussi à autre chose. Différemment de Platon, dans lequel on trouve des mythes un peu partout dans les Énéades, chez Porphyre, pardon, on ne trouve pas des mythes un peu partout. Par exemple, je pense au traité sur l'abstinence, sur lequel vous avez parlé un peu avant. Je ne me souviens pas très bien s'il y a des mythes. Je crois qu'il n'y a pas, c'est pas si présent chez Platon. Non, bah, dans le traité sur l'abstinence, il n'y a pas de mythes. Il y a souvent des allusions à des poèmes, souvent des allusions à des histoires mythiques, mais il n'y a pas d'interprétation. Notamment, il y a cette allusion à, comment on appelle ça en français, des lycanthropes, c'est-à-dire les hommes-loups qui mangeaient les champs, mais il n'y a pas d'interprétation. Porphyre raconte tout simplement ce qu'on trouve dans la tradition. Il n'y a pas d'interprétation des mythes dans le De Abstinentia. On trouve une interprétation des mythes dans l'Entre des Nymphes, parce que dans l'Entre des Nymphes, c'est un des derniers chapitres de l'Odyssée. C'est la grotte, l'antre,
où Ulysse cache les cadeaux, et il y a deux entrées, et pour Porphyre, cette grotte dans laquelle Ulysse cache les cadeaux qu'il a reçus au cours de son retour, ce sont les deux ouvertures par lesquelles l'âme descend dans le sensible et remonte vers l'intelligible. Oui, c'est très important. Pour Porphyre, les animaux représentent la qualité de la vie antérieure, les qualités de la vie antérieure d'une âme, et donc par conséquent, les animaux ne doivent pas être tués ni mangés. Mais ce qui est très intéressant dans le De Abstinentia, c'est que Porphyre montre que les animaux ont de l'intelligence, ont un logos précisément parce que notamment les chevaux comprennent les ordres que vous leur donnez. Et en plus, on peut les dresser. Et donc, ça montre que les animaux ont non seulement une sensation, mais ont un certain accès à la raison. Et ça, c'est vraiment très, très important. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Tranquillo. Oui. Donc, ça, c'est une très bonne question. C'est-à-dire que les animaux peuvent remonter dans la hiérarchie et jusqu'à un certain point peuvent redevenir des êtres humains et de là remonter jusqu'au bien. Mais il n'y a pas d'exemple particulier. Il y a aussi une question à propos de l'abstinence, des abstinences. Porphyre défendrait pour Edward Ocelon et Platon que les animaux sont rationnels dans la compréhension de rationalité historique, mais pas dans la compréhension platonique. Oui, c'est un peu la même question. C'est la question de savoir si les animaux peuvent remonter dans la hiérarchie. Et donc, il n'y a pas d'exemple concret, mais d'un point de vue purement théorique, je pense que c'est possible. Oui. Et donc, il a commencé en fait à vous remercier. Il a dit bonjour, merci beaucoup pour la conférence. Je suis d'accord que l'idée abstinence va être plus et plus idée par les végétariens modernes. Mmh. Et puis, vous pourriez me l'écrire, s'il vous plaît. Oui. Oui, c'est ça. Oui, ça, je suis d'accord avec ça. Mais ce qui fait la différence entre Porphyre et les végétariens modernes, c'est que les végétariens modernes ne tiennent pas compte de la raison. Les végétariens modernes estiment que les animaux n'ont que la sensation de plaisir et de peine. Et donc, Porphyre va beaucoup plus loin. Porphyre veut montrer que les animaux ont une raison. Et cette raison s'explique, enfin, pour Porphyre, la preuve que les animaux ont une raison, c'est tout simplement qu'ils obéissent aux ordres qu'on leur donne et qu'on peut les dresser. Voilà. Et donc, c'est ça la grande différence entre les végétariens modernes et les végétariens anciens. Les végétariens anciens estiment que les animaux ont effectivement une sensation, la sensation du plaisir et de la peine, mais qu'ils comprennent aussi un certain nombre de choses, même s'ils n'arrivent pas à parler. Professeur,
Pourrez-vous commenter la relation entre Platon et les stoïciens à travers les concepts de sympathie? Sympathia? Yeah, oui. Oui, oui. Ben, oui, mais c'est très différent. C'est une très, très bonne question et j'espère que je vais vous donner une réponse intéressante. C'est une très, très bonne question. Donc, cette idée de sympathia, ça vient des stoïciens. Et ça vient des stoïciens tout simplement parce que si dans le système stoïcien, vous n'avez que deux principes. Hein? Vous avez un principe passif qui est la matière, la hulé, et vous avez un principe actif qui est le logos, c'est-à-dire la raison divine, fabricatrice du monde sensible. Donc, pour les stoïciens, ce logos est donc quelque chose de corporel, c'est un pneuma, c'est un feu, un souffle chaud. Et ce souffle chaud transforme la matière. Dans un premier temps, ce souffle chaud explique l'apparition des êtres inanimés par l'exis, ensuite des végétaux par la physis, ensuite des êtres humains et des animaux par la psyché, et finalement, quand un être humain devient adulte, par le nous. Donc, comme c'est toujours le même principe qui agit partout, donc on peut dire que tout dans le monde, tous les êtres sont reliés les uns aux autres et que ce que l'un subit, tous les autres vont le subir. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon maintenant dans les médias. Chez Platon, et Porphyre, c'est un peu différent. C'est un peu différent parce que, comme je l'ai essayé de l'expliquer, le monde sensible est fabriqué par l'âme. Et donc, comme on le voit dans le traité 27 et dans le traité 28 chez Platon, tout est vivant dans le monde. Tout est vivant, y compris les êtres inanimés. Et c'est très étrange, il y a un passage du traité 27, je crois, qui explique que même les pierres sont animées et que lorsqu'on les arrache à un rocher, elles dégénèrent. C'est très étrange. Et donc, c'est effectivement la reprise platonicienne d'un concept stoïcien, la sympathia. C'est une très bonne question. J'espère que j'ai été assez clair. Mais... Oui, c'est très clair. Donc, je crois qu'il n'y a plus de questions. Et en fonction du temps que nous avons déjà pris et des conditions techniques d'aujourd'hui, on doit finir, malheureusement. Oui. Mais on vous remercie beaucoup. Notre internet est très mauvaise aujourd'hui, la mienne et je crois aussi celle de GD. Il plaît beaucoup. Et donc, on vous remercie beaucoup. Et c'est moi qui vous remercie. C'est vraiment très intéressant. Merci encore une fois. Et merci à M. Bézier. Merci à vous. Et j'espère qu'on vous reverra à Paris à un moment ou un autre. Ah oui, merci. Après cette pandémie, oui. Okay. Et donc, para os nossos ouvintes brasileiros, é preciso dizer que no ano que vem, provavelmente, vai sair um dossiê sobre neoplatonismo organizado pelo professor Cícero Bezerra, no qual vai ser publicada a tradução do texto do professor Bisson, dessas palestras que ele nos deu. Então, em breve, no ano que vem, a gente espera colocar isso em linha na revista Perspectiva Filosófica da Universidade Federal de Pernambuco. Eu agradeço ao Cícero também pelo empenho
e organizar esse material para tornar público por escrito o trabalho do professor Brisson aqui no nosso primeiro aparelho. Perfeito. Merci beaucoup. Au revoir. Obrigado, Lorraine. Obrigado, Lorraine. Nos vemos. Merci. Au revoir. Au revoir.